pas politique, ça. Ah, ok, ok. Voilà. Okay. Voilà, on vous voit marcher ce matin, vous êtes devant la mairie, c'est pourquoi? Oui, c'est pour la destruction de nos biens, sans être prévenus, sans préavis même. Pendant la nuit, tout a été cassé et brûlé. C'est-à-dire hier, vous avez vendu, le soir, vous avez arrangé vos choses, ce matin, vous venez pour reprendre les activités, vous constatez que tout a été cassé. Tout a été cassé et brûlé, sans être prévenu. Donc maintenant, vous n'en voulez pas aux autorités, mais vous êtes venu négocier avec elles. Nous négocions pour nous laisser au moins faire le mois de décembre. Ce mois qui est vraiment un mois important pour vous. Le seul mois que notre aide est en 12 mois. Voilà. Pour que je puisse vous laisser un petit temps pour vous. Travailler au mois de décembre. D'accord. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Il y a des gens ici qui nourrissent des enfants à la maison avec oui. Ce travail-là. Il y a des femmes aussi qui nourrissent leur mari qui ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas d'emploi. Après les études, on est obligé de vendre des fruits. Voilà, donc cette jeunesse que vous voyez là n'est pas venue marcher pour une raison politique, mais c'est pour leur pain de vie. Voilà. Là où ils ont l'habitude de se débrouiller, ils ont remarqué ce matin que le coin a été cassé. Ils sont juste venus négocier avec les autorités pour qu'on leur permette le mois de décembre, qui est vraiment un mois qui les rapporte un peu, pour que peut-être qu'après ce mois, ils puissent savoir où se caser. Autrement dit, demande aussi aux autorités de leur trouver un site, puisqu'ils ont besoin de ce travail-là pour vivre. Donc qu'on leur trouve un site pour qu'ils puissent se débrouiller. Parce qu'aujourd'hui, comme on le constate, il n'y a pas de boulot. Donc, ils vendent des pantalons jeans, ils vendent des chaussures, ils vendent d'articles partout. Et ça leur permet de payer leur maison, ça leur permet de nourrir leur petite famille. Que les autorités trouvent donc une solution à ce problème. Voici leur revendication, c'est pas politique. Voilà, donc ils sont là. Il y a femmes, il y a jeunes, tout le monde dedans. Voilà, vous les constatez. Voilà. Donc, ils sont devant la mairie de Yokougon. Ils sont devant la mairie de Yokougon. Voilà. Voilà, les vieux, il faut se lancer. Nous, on n'a rien à manger. Après, ça, on voulait vous là-bas. Donc, il faut se lancer. Ça nous laisser un voile entier, les bois. Voilà, bon, les gars. C'est le mois de Kassau. Ça a cassé quand on n'a rien à faire. On peut pas voler aussi. On est obligé de venir pour vous. Donc, vous pouvez imaginer aussi, si tout ce monde là, c'est un voleur là. Non, nous là, non, on n'est pas voleur. Essayez de voir. Pas micro, voilà. Si décembre ça là, vous pouvez laisser décembre là, on travaille. Après ça là, en janvier là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si tout ce monde là est un voleur, je vous la vois. Donc, c'est pour vous tous. Voilà, c'est un truc. Il y a des diplômés là-bas aussi. Il y a des diplômés. Il y a des diplômés qui ne travaillent pas. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'embauche, aucune opportunité, on est obligé de vendre. Donc laissez le mois terminer, le mois décembre, on verra. Eh, déjà, mais petit. Vous pouvez nous chercher un autre site. Voilà. On parle bien par ça. Après, décembre, vu les projets de microfinance, on n'a rien vu à la Cyprès. On nous parle de 1000 emplois jeunes, on ne voit rien à la Cyprès. C'est comme si les jeunes de Cyprès n'étaient pas des citoyens. Nous sommes des enfants des paysans aussi. Nos parents sont venus travailler à Abidjan, étaient des manœuvres, ont construit à Abidjan. Aujourd'hui, les enfants sont en Europe, ils vont revenir travailler. Mais c'est nous, nos parents, où iront les enfants?